Même comment tu vas? T'inquiète. Ah, je peux choisir le... Ok. Bah écoute, quand vous voulez avec Crash, hein, vu que je sais que vous y jouez de temps en temps. Alors, un simple lopin de terre avec beaucoup d'espace libre pour construire votre ferme. Votre ferme est répartie sur plusieurs îles et des bergeries. Parce que les poissons sont plus fréquents. La forêt, votre espace pendant toute richesse de la forêt sont à portée de main. Rocailleur et de la construction de votre offre des opportunités. Méfiez-vous, les monstres sont dans la nuit. Quatre parcelles avec son propre avantage parfois en groupe. École de la pêche avec de grandes distances. Parfois les caisses d'approvisionnement sont toujours ici. Cependant, les avancées ne fonctionnent pas dans le sable, le sol sableux.
Je commence le jeu, donc on verra plus tard pour les modes. Garantie, NHV. Bon, je vais pas toucher tout ça, je regarde juste ce que c'est. Hein. Je pense que je le prendrai quand je serai plus habitué parce que je pense que les arroseurs vont être utiles. Enfin, les arroseurs vont pas mal m'aider au début. Quand je serai habitué, je pense que je pourrai le faire tranquille. Là, clairement pas pour le moment. En vrai, j'aime trop les idées de plusieurs îles. Sauf que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait pêcher. Sauf que je pense que pour le moment, ce serait mieux que je m'habitue déjà à avoir une ferme, donc des plantations de manière régulière. Ouais, je pense qu'au début, c'est vraiment mieux d'avoir la standard. Je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Non, non, ne l'ouvre pas maintenant. Un peu de patience. Maintenant, écoute-moi bien. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Ton esprit disparaîtra dans un vide sans fond. Quand cela arrivera, ma petite étude se fera prête pour découvrir ce cadeau. Non, pour commencer, il y a beaucoup de choses à faire, mais la femme dépasse. J'en doute pas. Maintenant, laisse ton grand-père se reposer un peu. Rejoins-nous. Problème de médicaments. Une boisson énergisante. Quelques problèmes de vie. La vie est meilleure avec Jojo. Si cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps, je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie. Le lien réel avec la nature et avec les gens, alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Je te joins l'acte officiel de cet endroit. Ma joie, ma fierté, la ferme Nutis. Elle se situe à Stardew Valley, sur la côte au sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous, et il t'appartient désormais. Je sais que tu feras grand honneur à la famille. Bonne chance. Si le vieux Lewis est toujours en vie, salue-le de ma part, tu veux bien? À savoir que ma seule connaissance du jeu se limite à Bazar du Grenier. Donc ça date d'au moins 4 ans. Oh, 4.
l'époque Overwatch, normalement ça devrait être 4. 10. 600. C'est ma seule connaissance du jeu, voilà. Je n'ai pas spécialement regardé de... Oui, je sais ça du coup. Salut, tu dois être Alix. Je suis Robin, la charpentière du village. Le meilleur Lewis m'a envoyé te chercher. Il veut que je te montre le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Il est déjà là-bas en train de tout mettre en ordre pour ton arrivée. La ferme est juste ici. Tu veux bien venir avec moi? Y aura du ménage à faire. Voici la ferme magnétisme. Toujours rigoler cette connerie. Qui ne va pas? Bon, d'accord, c'est un peu envahi par les mauvaises herbes, mais c'est un mot fertile en dessous de tout ça. Avec un peu de travail, tu auras tout nettoyé en rien de temps. Vas-y, voilà, ta nouvelle maison. Ah, la nouvelle fermière. Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pélicanville. Tout le monde a demandé après vous. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un gros événement pour nous. Alors, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père. C'est une bonne maison, très rustique. Rustique, c'est une façon de voir les choses. Vieille serait un mot un peu plus approprié. C'est très impoli de dire ça. Ne l'écoutez pas. Elle essaie juste de vous pousser à acheter l'une des améliorations résidentielles. Quoi qu'il en soit, vous devez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécieront beaucoup de vous rencontrer. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai la chercher pendant la nuit. Bon, eh bien, bonne chance. En cours. Je dépose un cadeau. Ok, donc je vais aller faire les touches maintenant. Alors.
Voilà. C'est du filmant, non. Sur du logiciel. D'accord. Neige. Ça. Baisser le son maintenant, comme ça je peux le augmenter directement sur mon PC. Voilà. Non, te conseille, regarde bien chaque item et calcule bien son coût. Et calcule bien ton coût, on va dire. A priori, ça devrait être bon pour les touches. Pareil pour tout le reste. Ah, bleu. Robin, et oui, c'est après tout le reste, faut les rencontrer. Célibataire. Printemps, matin, automne. Ça y est, ça s'amuse. Donc on a une hache, une eau, un arrosoir, une pioche et une faux. Alors, la hache, on la met. Être bon. Ouais, on va voir maintenant que ça sera fait. Voilà. C'est la pierre, c'est le bois, couper l'herbe, faire du foin si vous avez un silo, et labourer le sol. La rue se casserait de paner. Voici un petit quelque chose pour vous aider à démarrer. Pour vous aider à démarrer le mer Lewis. La chaîne de la météo, de bonnes aventures à vivre à la ferme. Prévision météorologique pour demain. Il fera beau. Ensoleillé. Vous regardez l'oracle Willwick, la seule émission où la voix des esprits vous parle directement à vous. Les esprits sont d'une humeur normale aujourd'hui, ton destin repose entre tes mains. Regardez vivre la ferme, nous sommes de retour pour une nouvelle émission. Pour une nouvelle astuce, écoutez bien. Petit guide pour les néophytes, couper du bois et faire de la cueillette vous permettra de gagner un peu d'argent en attendant votre première récolte.
passe. Ok. Je sais qu'un comment tu vas? Alors, comme bien démarrer. Vous voulez vivre à la ferme, vous devez commencer avec de bonnes bases, utiliser votre eau pour labourer le sol, utiliser un paquet de graines sur le sol élaboré pour semer vos récoltes. Arrosez tous les jours jusqu'à ce que la récolte soit prête. Une bonne chance est de vous présenter dans la ville, certaines personnes ont hâte de vous rencontrer. À mettre à gauche. Ça va, quoi de beau? Particulier la routine. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ah, un lapin. Donc on a une base d'énergie. Bon, et du coup aujourd'hui ce sera le jour pour aller rencontrer du monde.
Je viens de rentrer d'une excursion de pêche, je voudrais venir à la plage un de ces jours, j'ai quelque chose pour toi. Quelqu'un de mes Willy vous a invité à aller à la plage au sud du village. Apparemment, il aurait quelque chose à vous donner. 17h. Avant 17h. À droite à peu près. Ouais, mademoiselle. J'ai entendu dire qu'il y avait du sang dans le village. Ravi de faire ta connaissance. Ah, j'essaie de détendre un peu après. Pas moi, mais. Dans un long voyage, j'ai vendu beaucoup de bons. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Tiens, je veux que tu prennes ma vieille canne à pêche. C'est important, l'art de la pêche. Que l'art de la pêche reste en. Puis peut-être que tu achèteras quelque chose dans mon magasin de temps en temps. De bons coins de pêche ici dans la vallée. Sorte de poisson à attraper. Ah oui, la boutique est ouverte. Pour un de ces jours si tu as besoin de matériel de pêche. J'achèterai aussi tous les poissons. Hop. Centimètres en choix. Donc il propose soupe à la truite qui augmente, enfin qui donne de l'énergie et la santé et puis la pêche. Dans l'eau.
seul à utiliser que les autres que des pêches, mais peut attraper que des poissons communs. À l'intérieur de votre maison. C'est des meubles. Des œufs de grenouille. Soda pas. Une petite croix de qui se déplace là-dedans. Une poubelle pleine de verre frémissant, l'odeur est atroce. Oh oui, c'est agréable de voir des jeunes gens s'installer dans la vallée, ce n'est pas très courant ces temps-ci. Une petite pièce de repos, c'est hors limite. Alors maintenant la question c'est comment est-ce que je rentre dans mon arrosoir? Bon, et ça c'est en cours. Pas lourde. C'est fort. Ah, ok. Les 300 morceaux de bois, ça pourrait être réparé. L'annexe 68. Genre, mais seuls les amis de Elliot peuvent entrer sans invitation. Tu es la nouvelle fermière, n'est-ce pas? Oh, je suis Allée. Si tu ne portais pas ces vêtements horribles, tu serais plutôt mignonne, mais peu importe. Ah, enchantée. Assez proche de Sam pour pouvoir entrer dans sa chambre. J'ai envie de toquer. Allez. Bah non, elle dit que je suis pas mignonne, donc c'est bon. Ça va devenir ma meilleure amie. Salut, c'est toi la nouvelle, n'est-ce pas? Je pense qu'on va très bien s'entendre. Je m'appelle Alex. Ouais, mais tu vois, tout le monde n'a pas du goût comme moi. On se reverra bientôt. Et puis bon, après, à la limite, moi mes vêtements je peux les changer. Elle, sa tronche, ça va coûter plus cher.
La boîte des objets trouvés du village. Pas mal de trucs. Des recettes. Elle est belle. Si je te parle directement. Bien le bonjour, je m'appelle Gus, chef de cuisine et propriétaire du salon de fruits étoilés. Salut, détends-toi et amuse-toi. Ça se passe aussi là-haut. Dommage. Comment ça utiliser les objets? Ces objets en question. Ah, c'était peut-être le gros truc rouge que j'avais drop. Ouais, non, mais là par contre, c'est pas cool. Il m'a remis la blinde au niveau du fusil pompe. Ah, si tu fais. Ah, c'est toi qui vois, hein. Par contre, on va tenter. Voilà. J'ai voulu tirer avec le pompe et comme je savais pas quoi m'attendre, je suis parti sur la droite. Faut vraiment que j'arrive à voir l'objet rapidement pour essayer de savoir quoi ça, comment ça marche. D'accord. Ah non, ça a quand même une limite. Ça.
Ok, c'est comme ça que ça marche le pont. Ah, dommage, j'étais presque. Ok. Je vois pas ce qu'il veut dire ça. Donc il faut deux coups. Surtout que bon, s'il y a un succès là-dessus, je vais pas avoir le choix. Hein. Comment ça change des excuses? Non. C'est pas... D'accord, un explosif. Moi, si je me dis qu'il y a un succès pour finir le jeu à 100% sur ça aussi, je risque de le faire, forcément, j'ai pas le choix. D'accord. Eh, dommage. Pour aller plus vite, je suppose. Pour aller plus vite. Juste à la sortie. Je sais que je sais, mais bon. Allez. C'est quoi le deuxième jeu? La série est en forme de mort. On fiche? Non. Allez voir, hein. Allez. Non. Y a pas. Ah, c'est lequel? Merde. Non. Ça va être quoi alors? Ça va être le secret? Legend. Legend. Non, ça c'est les statues. Victor Challenge? Journée of Breaking. Ok.
Oui, c'est vrai, j'ai vu. Noté. Ah, moi j'ai dû rentrer. Ah non. C'est énervant de rencontrer tout un tas de nouvelles personnes, n'est-ce pas? Moi c'est Georges. Au fait, maintenant fiche le camp. À dire. Ah bah tiens. Alors, comment s'est passée votre première nuit dans le vieux chalet? Votre grand-père avait l'habitude de se plaindre du vieux lit bancal, mais je pense qu'au fond, il a adoré cette maison. Bonjour et bienvenue dans notre petite communauté. Tu peux m'appeler Mamie. Je sais pas si je dois le prendre bien ou mal, ça pour le coup. Je peux le voir sur ton visage, tu vas adorer le pied Camille. Si tu cherches quelque chose à faire le soir, passe donc au saloon. C'est là que je travaille. Donc ici on a les graines, le gazon, farine, riz, huile, vinaigre, papier peint. Roule à tout. Bonjour Madame Alix. Alors la nouvelle agricultrice. Je m'appelle Pierre, le propriétaire du magasin général. Si tu cherches des graines, mon magasin est l'endroit qu'il te faut. Je t'achèterai aussi des produits à un bon prix. Oh, tu n'es pas exactement comme je l'avais imaginé, mais ce n'est pas grave, je m'appelle Jody. Est-ce que tu as rencontré tout le monde au village? Ça a dû être épuisant. Ah, le maire Lewis m'a dit que tu venais d'arriver. Je m'appelle Marnie. Je vais bien dormir ce soir. Rentrer dans sa chambre. Évidemment, elle a tracé dans sa chambre. De 9h à 15h. Maximum, il est déjà 18h.
Tu viens d'emménager, n'est-ce pas? Cool. Et tous les endroits où tu aurais pu emménager, tu as choisi Pélican Ville. Ouais. Il va falloir une bataille de regard avec une barrière de prison, ça sera mieux avec une porte de prison. Non, t'as pas envie de parler? Allez, on va aller dormir un peu. Je vais dormir. Putain, sérieux, c'est de pêcher un poisson dans cette fontaine. Moi, ça va être de savoir déjà comment remplir mon arrosoir. Remplir n'importe quelle source. Pas assez solide pour casser la souche, ok. Comme ça, ok. Oui non c'est bon la pluie aide déjà à faire ça donc ça au moins c'est bien. On a déjà repéré avec qui tu seras.
Ça veut dire qu'il y en a qui vont être plus disponibles par la suite. Déjà, il faudrait que j'arrive à avoir un... Ouais, je vois. Pas moyen de créer un coffre. Jean-Jacques, vous serez payé pour votre travail. On peut l'apprendre. Vraiment? Une bonne journée pour jouer au ballon, non? Si je n'étais pas une fille, je vous aurais proposé de jouer au ballon avec moi. Je joue au ballon avec toi. Apparemment, je t'ai sous-estimé. Ouais, c'est un peu douloureux, mais peut-être la prochaine fois. Après, si tu... Bon. J'ai vu les plus beaux papillons faire bronzette dans les jardins publics hier. Et mon petit-fils, je lui ai déjà dit, non? Ah oui. Non, tu ne l'as pas dit, mais je pense que ça se disait qu'Alex était ton... Je pense. À la même histoire. Échelle construction. Artisanat. Merci. Donc j'ai un sac à dos, ça sera plus pratique. Alors, un coffre plantation. Et un coffre pour autre. Portail.
Voilà. On va aller se reposer un peu parce que épuisement. Plus une compétence de hache, les arbres donnent parfois des graines. Nouvelle recette graines sauvages. Donc casse-croûte. Alors, est-ce que j'ai besoin de ça ou du bois? Non. J'ai besoin de la boue. Alors, la tubercule de présent à son point. Je regarde le dernier moment nutritif. Donc je gère la moitié. Dernier jour livraison se passe. Quelqu'un a récupéré un cadavre. Très bien. Oui, mais ça vient pas où? Un poulailler et atteindre le niveau 1 en agriculture et fabriquer un épouvantail. Je verrai plus tard. Salut, je m'appelle Penny. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi tranquille. Non. Oh.
Ah, c'est toi qui viens d'arriver? Je m'appelle Maru, j'avais hâte de faire ta connaissance. Tu sais, dans une petite ville comme celle-ci, un nouveau visage peut vraiment changer la dynamique de la communauté, c'est palpitant. Commence à faire chaud, je me sens en pleine forme. Pas chaud, mais t'es en pleine forme. Il est 9h. Un peu cher tes graines, mon grand. Une dizaine. Amélioration du sac, 2000 PO. Ah d'accord. En vrai, ça va, c'est pas si cher, mais par contre, je veux bien gentil, hein, mais j'ai quelqu'un pour récupérer Georges à cola, vous serez payé pour votre travail. Ouais, mais. Un chocolat. Je tente une dernière fois et après je tente du coup la Mardo. Aran, 30 cm. Papier. Avec lui. Rapidement tout ça et je retourne vers la maison.
Oui, je me doute que ça doit servir plus tard, mais bon, en vrai, si ça pop à l'infini sur la plage, ça passe. C'est juste qu'actuellement, j'ai pas de place. Et j'ai les demi, je pourrais me permettre de garder. Je suis encore au début, hein. Je suis encore au début, je suis en mode découverte. C'est comme si je t'embarquais sur Overwatch, c'est que je te disais, c'est pas comme ça qu'il faut jouer le perso. Ouais, mais c'est très bien que t'apprennes déjà à savoir comment marchent les compétences. Mais y a pas, ça meurt pas là-dedans. Et ça meurt? C'est cassé. Wow. Ouais, comment chercher un Jean-Jacques-Cola du coup? Par la chance de tomber dessus, hein. Voilà. Je vais en faire quoi? Je apporte la pierre, Jojo Cola. Eh ben. Ah, d'accord, ok, fallait juste parler. Hey, t'as vu, j'ai vu bien le bulletin, j'apprécie ton geste. Voici ton paiement, comme convenu. Panique. Alors, le poulailler. Et que je fasse un épouvantail. Oh, la nouvelle fermière que nous attendions tous. Et dont l'arrivée a suscité de nombreuses discussions. Je m'appelle Elliot, mais je vis dans la ville. Je vis dans la petite cabane près de la plage. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je pourrais peut-être demander à la pierre de préparer. Je pensais à pas se percer avec son air. Pouf!
Bonsoir, je suis Elliot. Haha. Allez, retourne à la maison. Pourquoi ils doivent rester si personne à rencontrer? Ah oui, non, c'est... J'ai... Oui, bah oui, non, il y a deux personnes que je suis allé reparler entre-temps. Ah oui, ok. Et les personnes en point d'interrogation. Donc, 1, 2, 3. Then. Ah, le sorcier. Je fasse un épouvantail. Va faire d'épouvantail. Un, deux. Courrier. À nos chers clients du marché Georgia,
Les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain provoqué par notre opération de forage près du lac de Montagne. Je tiens à vous rappeler que, que notre opération de forage est tout à fait légale. C'est valable maintenant, Jaco, L6091. La gestion responsable de l'environnement est notre priorité. Nous sommes désolés du désagrément que cela a pu vous occasionner. Comme toujours, votre soutien continuel et votre bien-être sont plus importants pour nous. Maurice, responsable de la satisfaction de clientèle chez Joja. Vie en or du village en échange de matériaux bruts et un peu d'or. Je construirai de nouveaux bâtiments sur votre ferme. Vous aurez besoin d'elle pour construire un poulailler, une grange afin de pouvoir élever des animaux. Ok, c'est pour ça. Récolter plein d'arbres, enfin plein de bûches. Je vais faire un peu de rangement. En vrai, je vais directement aller chercher l'arroseur et la houe et la mettre directement au niveau des récoltes. Ça sera beaucoup plus pratique et rapide. À 25, c'est vraiment pas grand chose. Hein. J'en veux que rien.
coup, on a dit c'était au nord. Nord du village, la menuisière locale Robin. Oh, salut! Quelle horreur! C'est le centre communautaire de Pélicanville, ou plutôt ce qu'il en reste. C'était la fierté et la joie de cette ville. C'était toujours très animé ici. Regardez-moi ça. C'est honteux. Ces derniers temps, les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télévision que de faire partie de la communauté. Mais écoutez-moi. On dirait un vieux gâteux. La corporation m'a harcelé pour leur vendre le terrain afin qu'ils puissent transformer en entrepôt. Pélicanville a besoin d'argent. Cependant, je n'arrive pas à le vendre. Les vieux comme moi s'attachent aux reliques du passé. Enfin, bref. Si quelqu'un d'autre devient membre chez Jojaco, je les vendrai. Ah, allons voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Vincent et Jas ont dû venir jouer ici. Cet endroit est encore plus délabré que dans mes souvenirs. Quoi? Quel est le problème? Êtes-vous malade? Avez-vous vu quelque chose? Je ne serais pas surpris si cet endroit était infesté de rats. Vous m'inquiétez, Alix. Écoutez, je vais rentrer chez moi. J'ai besoin d'un bon repas. Je vais laisser cet endroit à partir de maintenant. Vous pourriez essayer d'attraper ce rat que vous avez, si vous en avez le temps. Pourquoi Zelda? Étrange. On va venir plus tard explorer davantage cet endroit. Bon, je vais aller au nord de la ville, à la menuiserie. Celle de Kuroku. Ouais. Ok. Eh ben, on a quelques personnes ici. C'est gentil de ta part d'être venu te présenter. Eh, hey, désolé si je suis un peu grincheuse aujourd'hui. Je suis encore un peu fatiguée du travail d'hier. J'aurai la maison, construire des bâtiments de ferme. Je vais construire des bâtiments de ferme du coup. Ça y est, 4000.
classique. Ouais, pierre, fenêtre simple. Alors, 10 000. Alors, donc le poulailler, on a dit, c'est 4 000 d'or, 300 de bois, 100 de pierre. Heureusement, la téléportation, ça n'existe pas. Oh, c'est la personne à qui j'ai déjà parlé aujourd'hui. La conversation, donc. As-tu rencontré mon fils Sébastien? Il vit à l'étage du bar. Bon, pas de la thune. Genre, je passe une journée devant ce maudit poste de télévision. C'est une belle journée. Merci. C'est beau comme ça, j'aime bien aider Evelyne. Elle est en bonne santé pour son âge. Et je pense. À toi, je t'ai pas encore rencontré. Salut, je m'appelle Sam, enchanté. Sam essaye de faire un kickflip. Comme ça m'en est pas assez proche. Hein? Ah, le printemps, la saison des pastels. Personnellement, je préfère les tons les plus chatoyants. Ah, oh, excuse-moi, je m'emmenais encore les couleurs de mode, n'est-ce pas? Oui, j'ai de la guitare, hein. Cacher des choses, hein. La porte est verrouillée. Le lapin. Plein de rats. Mais bah du coup j'irai plus tard en matin. Oh des verres.
Eh ben, c'est pas ce que j'ai fait. Ça marche pas. Ah, tu veux dire sur pour le lapin? C'est un peu tard du coup. Mais moi là-haut, je l'ai pas sur moi du coup. La fouille de cette vallée est bénéfique pour le corps et l'esprit. Ah mais ouais, non, moi du coup là-haut, je l'ai pas sur moi. Hello Stylo, comment tu vas? Ça va, du coup, pas de bois. A l'air d'avoir Tu veux vraiment que je passe en mode? N'oublie pas de mettre un appât sur ton ami. On va pêcher un peu. Un rat de 23 cm. J'ai un nouveau record de 6 cm. Je pense que j'ai pas très streamé trop tard ce soir. Minuit grand max, j'aurais coupé. Allo Sylvie, comment tu vas? Ouais, 17 h. Ouais, c'est pour ça que je me disais que j'allais au moins lancer ça l'histoire de 1 h ou 2 pour ce soir. Mais il y a des chances que j'y joue quand même dans mon coin de temps en temps. Pas cette partie-là, mais si on peut créer plusieurs parties ou trucs dans le genre, il y a des chances que j'y joue rapidement de mon côté. Je peux créer mon épouvantail, ça y est. La pêche.
deux parties, tu peux même jouer à 4. Alors le fait de jouer à plusieurs, ça je le savais, vu que j'ai deux personnes qui jouent de temps en temps ensemble. Mais pour le plusieurs parties, j'étais pas sûr. Voilà. Oh bon, on sait jamais, hein. C'est un jeu qui le permettrait pas, hein. Oui, du coup. 20 charbon et 20 fibres. Pokémon, tu peux pas s'en regarder ton ancienne partie. Par exemple. Ça, il manque plus de personnes. Ça, du coup, il me faut 4300 et 100. En attendant, hein. Tu veux recommencer pour créer, mais tu dois te déplacer, que tu veux pas perdre tes chouchous. Ouais, encore pour Pokélite, t'as juste à te créer un nouveau compte Switch. La fête des œufs. Anniversaire de Lewis, anniversaire de Vincent. Demain c'est l'anniversaire du maire du coup. Un derg en l'air, en l'urc. Je pense que je vais focus ça en premier. Hein.
Seigneur. Je te juge. Non, Phila te juge. Bonjour, bienvenue au bureau d'archéologie de Stardew Valley. Oh, c'est très embarrassant, mais le conservateur précédent est parti avec toute la collection. Nous n'avons plus d'œuvres à présenter. Mais j'espère que tu remédies bientôt. Eh, si tu trouves des artefacts ou des minéraux, tu voudras bien me le dire? Les engrais pour améliorer la qualité, réduire la charge de travail ou accélérer la croissance des récoltes. Les arbres fruitiers prennent toute une saison pour pousser, mais ils nécessitent très peu d'entretien. Nettoyez bien la zone qui entoure votre arbre, sinon ils pourraient ne pas pousser correctement. Les récoltes nous mourront dès la fin de la saison, sauf si elles poussent durant plusieurs saisons, comme le maïs. Certaines récoltes, comme le chou, le fraisier et le blé, doivent être récoltées avec une faux. Plaisir de faire ta connaissance, je m'appelle Harvey, je suis le médecin du village. Def, je commence à te juger aussi. Attention. Je juge fort. Minuit et qu'on est bientôt aux 2 heures de live, je veux dire maintenant, je suis cute, voilà. Jetez à l'œil, Def. La bibliothèque est l'un des meilleurs services proposés par Pelicanville. Elle est financée avec les impôts que nous récoltons auprès des entreprises locales. Je vous juge. Minerai de fer, charbon, minerai d'or. Bonjour, je m'appelle Clint. Je suis le forgeron de la ville. Si t'as besoin d'améliorer tes outils, je suis ton homme. Y a-t-il une pile de fabrication des métaux? Ouais. Press X for adopt. Salut, je m'appelle Pam. Sois aimable et nous nous entrons. Sois aimable et nous nous entendrons bien.
Eh bien. Bienvenue, ici Jojamart. Comment vas-tu aujourd'hui? Je ne crois pas avoir fait ta connaissance. Je m'appelle Maurice, responsable de la satisfaction clientèle chez Joja. Si tu décides de devenir membre, Joja, je me ferai un plaisir de t'aider à faire ton entrée dans cette nouvelle vie joyeuse. Bienvenue chez Jojamart. Comment se passe ton week-end? Le service d'adhésion est maintenant disponible. Avec un abonnement Joja, tu pourras améliorer ta communauté avec l'aide de notre personnel dévoué, moyennant finance. Moyennant des frais. Ça marche aussi. Moyennant des frais, bien sûr. Oh, et encore une petite chose. Le maire Lewis nous a promis que si quelqu'un d'autre adhérait à notre programme de fidélité, il nous laisserait transformer cet ancien centre communautaire en entrepôt pour Joja. N'est-il pas merveilleux? T'as tes points de chelou en quoi? Moi je vais peut-être être moins chez innocente. Sam? Pas moi. Tu es aussi innocente que je suis nulle aux jeux vidéo. À rencontrer. Mais il m'en compte que 5 parce que je suppose que le magicien ce sera plus tard. Intéressant. Je ne comprends rien. C'est écrit, seul Link peut vaincre Ganon. C'est génial! Je prends mes affaires. Ganon ne fait pas le poids face au roi. Flash! Me voilà! Pas point face au livre. Qu'est-ce qui se passe, Dirk? Hello Yuna, comment tu vas? Pas interagir avec grand-chose, hein. Apparemment, j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour, apparemment. Ça va pour ma part. Les
Félicitations de Zelda, mais aucune aussi fort. Mais pourquoi? C'était un très bon Zelda, non? Y a un problème avec ce Zelda? Je pars pour Camelon. Oh Link, sauve mon père. Ganon ne fait pas le poids face au roi. Mon père, j'ai subi cette attaque quand j'étais plus petite. Ouf. Il se peut que j'ai pas mal entendu certaines certaines quotes avec des YouTube poupes et des conneries dans le genre. Une blague, c'est vraiment une photo de mon gala. Oh, ça remonte à très longtemps, l'époque où je regardais les YouTube Pop. Hein. Et pas de soucis, bonne nuit à toi, du coup, Fenrir, merci d'être passé. Ah, l'époque des YouTube Pop, ça remonte à facile 6 ans. Voire même 7 ou 8. J'ai un ami qui en était extra fan, donc il m'en avait partagé quelques-unes dont j'ai une mémoire, hein. Bizarre les gens sur le chat. Non, je le traîne. Oh, ça, je le mets à côté. Après, il y a une musique de... Ah, comment? Un, deux, trois lunatiques qui s'était amusé à faire une YouTube poop avec des... Plein de références, en fait. T'as... Jean-Pierre Coff, t'as... Eric... Non, Olivier de chez Carglass. T'as du Barbie, t'as du... Bah, du coup, t'as du Link's Face of Evil, les trucs dans le genre. C'est l'enfer de Reynard, le fantôme... spontanément. Ouais, j'ai cru voir certaines de Fleur de Renard, ouais, avec Big Crayoli et son coup du fromage. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai du camembert. Hein. J'ai du camembert, donc je m'en bats les couilles. Éclaté à faire un truc avec ça. Non mais bonne nuit les tipeux, c'est un classique, c'est le classique des YouTube poop. Nuit les tipeux, c'est the classique. Hein. Tu connais les YouTube poufs, si tu connais pas les. Si tu connais pas Bonne Nuit les tipeux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on t'a pas appris les bonnes choses. Hein. Les sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite? J'habite à l'ouest du lac, de la forêt, dans la tour de pierre. Donc ça, c'est le sorcier. J'ai peut-être des informations concernant ton problème de rat. Alors, juste 2 minutes. Pour que vous compreniez du coup la référence dont je parlais de 1-3 lunatique. Alors, 1, 2, 3, lunatique, et c'est la triforce de la poupe. Anciennement, je fais chier les gens du coup pour 1, 2, 3, lunatique.
que ça m'ouvre sur YouTube en fait. Ah là. Juste 30 secondes. Ça va être en bas 3. Alors rapidement, je vous le dis. En plein écran. Je baisse le son du jeu. Avant votre nom, poule magique, poule magique, poule poule poule. Alors, la raison de pourquoi je connais cette musique par cœur, c'est parce que, en fait, elle était proposée aussi sur. Je l'ai trouvée sur Ozu, donc un jeu de rythme auquel j'ai énormément de joué, auquel j'ai énormément joué. Et du coup. C'est ça! Je sais pas si ça va être la même version du coup. C'est la même version. Voilà. Donc, comme elle était sur Ozu, je l'ai un peu faite aussi. Voilà. C'est la raison principale de pourquoi je connais cette YouTube par cœur et que j'ai quelques phrases que je retiens très facilement de Link Face of Evil et tous les autres. Eh, n'empêche, on est bien d'accord que le rythme est quand même sympa, non? Sincèrement. Le rythme est cool, non? Je vais te remettre le son du jeu. Oh. D'accord, mon grand dame, d'ailleurs, après, tu peux pas musique, me semble.
sac. Oh, bonjour toi. L'essence de vie, un peu de gémoprène, perche. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est perchée? La pile. La fleur sauvage, une recette piquante qu'on peut trouver au printemps. Non. Le goût très fort. Ah, entre. Je suis Rasmodius, chercheur de vérité arcanique. Hello Glagla, comment tu vas? Entre le monde physique et le monde. Aussi maître des sept. Gardien de la sacrée. Tu as compris. Et toi, Alix, celle dont la rivière est privée. Je vais te montrer quelque chose. Ça va, quoi de beau? Admire-moi ça. Une pomme! J'ai vu un, n'est-ce pas? Je nomme Junimo. Ce sont des esprits mystérieux. Pour une raison quelconque, ils refusent de me parler. Bah pourquoi ils se sont installés dans le centre communautaire? Aucune raison de les craindre. Pas grand-chose non plus. Un parchemin doré écrit dans une langue inconnue. Vraiment très intéressant. Reste ici. Je vais aller voir ça. Je reviendrai. Ah oui, très vite. J'ai trouvé le parchemin. La langue est obscure. J'ai pu la déchiffrer. Nous, les Junimos, sommes heureux de vous aider. En retour, nous demandons des cadeaux de la vallée. Si vous ne faites qu'un avec la forêt, la vraie nature de ce parchemin sera révélée. Non, c'est juste qu'en gros, comme je baisse un peu la tête pour lire correctement la phrase en avance, ça ferme les yeux. Un avec la forêt. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah ah! Viens par ici. Mon chaudron fait mijoter plein d'ingrédients de la forêt. Bébé fougère, vermoussus, champignons vénéneux. Comment ça? Viens, moi, laisse l'essence de la forêt envahir.
Oula. Je pense que c'est la caméra qui ne doit pas spécialement bien détecter. Oh, des arbres! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pouvoir de la magie de la forêt obtenu. Maintenant, vous pouvez déchiffrer la vraie signification des parchemins animaux. Ça, c'est ce que j'essaie de faire croire. Hein, quoi? Non, moi j'ai jamais pris de drogue. Jamais. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de cigarette. Mémoire est la preuve. J'ai une très bonne mémoire, je me souviens d'absolument tout. Normalement, la drogue et tout ça, c'est censé avoir une mauvaise influence, hein. Quoi, vous voulez que j'en parle à mon ami à côté de moi? Suis occupé, ça se voit pas. Salut, ça fait plaisir de te voir. D'alimentation de fourniture, achète des animaux. Oui, réditeur, saut, design, bots. Il a vachement investi dans son micro-ondes. Hein. Car ça c'est qui va gagner? Bonjour. Le temps est plutôt intéressant aujourd'hui, tu ne trouves pas? Je mets 50 T sur le micro-ondes. Ouais, ça fait déjà 2h30 que je suis en live, donc je pense que je vais pas tarder à arrêter en vrai. Aller faire couper des arbres et un peu de pierre jusqu'à épuisement pour préparer les stocks pour le poulailler. Je pense que j'arrêterai là juste après. On verra du coup la prochaine fois comment on peut essayer d'avoir un peu d'argent tranquillement. Parce qu'il faut quand même avoir 4000, hein.
savoir sur vos Grand Factory. Question, est-ce que vous seriez intéressé pour la prochaine session si je fais un full tryhard pour terminer le mini-jeu de la borne d'arcade? J'annonce, hein, même si ça prend des heures, moi ça me dérange pas de jouer pendant des heures au mini-jeu juste pour le terminer. Hein. Il faut 300 et 100. Donc il manque encore pas grand chose en pierre et encore un peu de. J'ai trouvé une géode, le forgeron local pour vous l'ouvrir. Oh, nice! Et bon, on fera un tour chez le forgeron avant le mini-jeu. Les gars, là c'est prévu. Dès que je suis épuisé, je vais me coucher. Et on arrête le live. Les essais de combien de fois je m'y mettrai pour gagner, on verra. Allez, le repos. Voilà. Pas récupérer tant que ça. Voilà. J'irai manger un bout pour récupérer. Ah, donc en gros, c'était... je vais aller chercher plus tard pour... Ok. Ah. Ok. Et du coup c'est pour la géode. Ah. On va du coup faire quitter le jeu, retour à menu principal. Non, c'est surtout que en gros, j'ai pour les cadeaux, j'étais en mode. Mais attends, mais je dois le placer où? Parce que j'ai l'air de pouvoir le déplacer et le mettre dans les cadeaux. Mais non. Non, sinon j'avais bien compris qu'il fallait au forgeron pour qu'il ouvre la géode pour avoir des minerais qu'il y a dedans. Bon, on va aller voir rapidement qui est-ce qu'on peut aller raid. Bon, bah, j'en ai pas touché. Alors, est-ce que vous seriez plutôt intéressé pour un toutou qui est en train de tryhard du Dark Souls 3 ou un avalé qui est en train de faire du Zelda Breath of the Wild en expert? Regarde le dodo. Oui, non, mais c'est au moins pour le raid. Ça peut vous faire des points de chaîne. Après, moi, si vous voulez pas des points de chaîne, ça m'arrange. Hein. Comme ça, y a pas la demande à nouveau. Donc, on part sur un raid. Allez, on part sur un raid.
Du coup, Zelda Breath of the Wild, un expert ou un Dark Souls 3? Allez, on part sur un Breath of the Wild, donc Red. Kabame Husky. Et moi, du coup, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi le live. Et on se dit à probablement demain pour soit potentiellement un nouveau tentative de speedrun, soit on sera en mode chill. Sur Stardew Valley, peut-être Animal Crossing pour la blague, faire un petit tour, ça fait longtemps. Faudra voir. Du coup, moi je vous souhaite une bonne soirée, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, on se dit à demain pour ceux qui repassent, sinon tout simplement à la prochaine fois. Je vous fais des bisous, bye bye!